Relaxed. Relaxed. Definitely. Because during 7 years, I was always under pressure because there was a court case opened against me. 7 years. It looked like I've been in preventive, and now it's finished. So I'm happy. I'm happy also for international football, and I thank this court to take this matter very seriously, and then together with my lawyer, we brought it through. Yeah. Thank you. 44 ans de travail à la FIFA, et c'est aussi bon pour la FIFA, puisque le prochain qui aura fait 44 ans à la FIFA, il saura ce que c'est si vers la fin de sa mission, il est tout à coup attaqué en justice. Voilà. À 7 ans, quand la commission d'investigation de la FIFA, il y a 5 ans, quand même, 7 ans, la commission d'investigation de la FIFA avait décidé que je sois banni de toute activité dans le football. Moi qui ai consacré ma vie au football, qui ai toujours tout donné au football en tant que sélectionneur entraîneur. La FIFA a donné ça. Ensuite, ils m'ont traité de corrupteur, de blanchisseur d'argent, de falsificateur. Je ne laisserai pas passer. Donc la suite, on verra comment ça se passera. On a le temps, on va réfléchir, mais je laisserai bien passer. Oui, mais c'est je ne suis pas très surpris, puisque c'est ce que je dis depuis 7 ans. Maintenant, vous vous êtes aperçu pendant toute la durée du procès ce que c'était c'est cette année et ce qui était la vérité. Et la tribunal aujourd'hui a expliqué ce que c'était la vérité. Donc je suis très heureux que finalement la vérité arrive après 7 ans de manipulation, de mensonges et d'injustice.